Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est Warren le stratège qui revient encore avec une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, encore une fois, j'ai fait un constat. Et sachez une chose, c'est que je fais toujours des constats, je crois, assez pertinents. C'est la raison pour laquelle je reste convaincu que le contenu que vous avez sur cette chaîne passe essentiellement par le développement personnel, la création de business et surtout la croissance en termes financiers. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'invite pour cette nouvelle vidéo. On est parti. Alors, comme je le disais au préalable, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle thématique à laquelle j'ai beaucoup réfléchi avant de évoquer cela. C'est la raison pour laquelle je te demande simplement de faire deux choses. T'abonner à la chaîne et de la partager. Surtout parce qu'elle peut sauver l'argent de plusieurs personnes qui veulent se lancer certainement en business, mais qui ne savent pas par où commencer ou encore veulent faire les erreurs que beaucoup de personnes font et après vont regretter de s'être lancées dans le business. Alors, aujourd'hui, je vais parler du fait que depuis un moment, beaucoup d'entrepreneurs débutants suivent la tendance en ce qui concerne le fait de lancer un business. Oui, je m'explique. Depuis un moment, quand je discute avec certains jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs débutants, la plupart du temps, lorsque je pose la question de savoir quel est le business que tu veux lancer ou quel est le business que tu as lancé, la plupart du temps, et c'est ce qui revient presque tout le temps depuis un moment, c'est que beaucoup de jeunes entrepreneurs, surtout des entrepreneurs africains, parce que fort est de constater que ma plus grande audience, elle est africaine, et je m'adresse en priorité à la jeunesse africaine francophone. Et la plupart du temps, les jeunes avec qui je discute ont toujours tendance à me parler du fait qu'ils veulent lancer des lignes de vêtements. Tout au contraire, je n'ai pas un problème quelconque avec le fait de lancer une ligne de vêtements. La preuve, c'est que moi, j'en ai lancé une. Mais mon expérience quant au fait d'avoir lancé ma ligne de vêtements m'a permis de comprendre les choses que je vais énumérer dans cette vidéo. C'est que la plupart du temps, quand tu veux lancer un business, ce que nous, les entrepreneurs africains, surtout quand on commence, bien évidemment, c'est que on veut souvent lancer un business qu'on aime. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est-à-dire, on part du principe que on veut lancer un business parce que, par exemple, je prends un exemple, on aime la mode. Et comme on aime la mode, on veut lancer un business qui est autour de la mode. Parce qu'on estime que non, ça c'est mon domaine, c'est ma passion. Donc, au bout d'un certain temps, je veux me sentir bien dans ce que je vais faire. Mais attention, le danger, c'est que l'entrepreneur n'est pas là pour lancer un business qu'il aime. Mais l'entrepreneur est là pour résoudre un problème. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tu commences déjà à penser que ton business, tu vas le créer parce que tu l'aimes, ça c'est la première erreur que tu as commencé à faire déjà. Parce que les gens, eux, ils vont s'en foutre du fait que tu aimes quelque chose ou pas. Le client, lorsqu'il vient vers toi, il veut que tu résous son problème. Et la meilleure façon de résoudre un problème, c'est de se poser la question dans ton entourage, de regarder quel est le problème qu'il y a dans ton entourage et que tu dois apporter une solution. Je vais prendre un exemple simple pour implémenter ça avec ma propre vie. Lorsque on a lancé notre entreprise de nettoyage, à la base, de nettoyage de bureau, à la base, nous, on n'aime pas le nettoyage. Mais on est parti du principe simple, c'est que si
on veut commencer à générer un cash flow le plus tôt possible, il faut aller vers des business là où les gens ont besoin des gens dans le plus tôt possible. On n'a pas regardé au fait on n'aime pas nettoyer ou que on n'aime pas tenir les chiffons, etc. Mais nous, ce qui nous a guidés, c'est l'intérêt qui était derrière. C'est quoi? C'est l'argent qui a à se faire derrière. Mais la grande différence avec les jeunes Africains ou les Africains qui se lancent en général dans l'entrepreneuriat, c'est que à la base, ils veulent lancer un business qu'ils aiment. Mais alors que le client, lui, n'a rien à foutre que tu aimes quelque chose ou pas. Lui, il veut que tu résous son problème. Et c'est en résolvant son problème que tu auras des revenus. Donc, cher ami, ce que je vais simplement te dire, c'est que ton business puisse résoudre un problème. Et les problèmes en Afrique, ce n'est pas ce qui manque. Il y a les problèmes de restauration, il y a les problèmes de transport, il y a les problèmes de logistique, il y a les problèmes de vente de produits, etc. C'est-à-dire, les niches, il y en a tellement. Mais il faut que tu comprennes la nécessité du fait que ton business doit résoudre un problème. Ne viens pas lancer un business ou encore ne viens pas proposer des gens un business que tu aimes parce que ça fait beau, tu sais, moi j'aime ça. Non. Est-ce que ce que tu aimes résout un problème? Et la deuxième chose que je veux parler, c'est le fait que il y a beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils veulent lancer un business, automatiquement, ils cherchent déjà des investisseurs. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, tu as lancé une petite activité, tu commences à avoir certains revenus, ou bien tu commences à avoir certains problèmes. Au bout d'un certain temps, ce que tu veux déjà faire, c'est que tu veux déjà commencer à chercher des investisseurs. Vous savez, c'est une très grave erreur que les jeunes entrepreneurs ont toujours tendance à faire et c'est une erreur qui ne paye pas. Parce que tu ne peux pas vouloir lancer un business. Et au bout d'un certain temps, lorsque tu as lancé ton business, tu veux déjà commencer à avoir des investisseurs. Non. Les investisseurs, laisse les investisseurs venir à toi. Mais ce que toi, tu dois faire et ce que tu dois comprendre, c'est que commence à travailler avec le peu que tu as. Commence à te donner de la valeur avec le peu que tu as d'abord. Et surtout, ce que je dis souvent aux gens, c'est que laisse les investisseurs te trouver. Laisse les gens s'intéresser à ton activité et ensuite ils vont te trouver. C'est la raison pour laquelle j'aime cette phrase de Ricardo Kadiama qui dit, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est là qu'il y a succès. Parce que lorsque tu te seras préparé, j'y arrive, à bien lancer ton business et que tu auras d'abord commencé à la base à lancer ton business. Au bout d'un certain temps, même dans ton audience, il y a des gens qui vont commencer à te contacter pour te faire des offres de partenariat. Donc, que de rester là à avoir un projet entre les mains en disant que mon projet, je vais le commencer lorsque j'aurai des investisseurs qui vont commencer à vouloir donner un peu de sous pour que je lance mon business. Tu vas clairement échouer dans ton programme. Et comme je ne veux pas que tu échoues, comprends déjà la nécessité dès maintenant de te lancer avec un petit budget dans un domaine dans lequel tu estimes que tu peux résoudre un problème dans l'immédiat, que d'attendre un investisseur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Lance-toi avec ce que tu as maintenant pour résoudre un problème dans l'immédiat. C'est ça le plus important. C'est ça dont tu as besoin de régler les problèmes dans l'immédiat. Et ensuite, pour finir, le troisième point, j'ai envie de parler de ce point parce que ce point-là est assez intéressant, je trouve. Le troisième point ici, c'est le côté là où il y a des personnes qui veulent se lancer, mais qui ont toujours tendance à attendre le bon moment. Ou encore, il y a des personnes qui veulent se lancer, mais qui estiment qu'ils ne savent pas comment se lancer, ou encore, ils ne savent pas comment épargner un peu d'argent pour se lancer. Je vais vous prendre un exemple concret.
Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une connaissance à moi. Et en discutant, la personne veut lancer une activité. Et la personne a une activité professionnelle qui paye, on va dire, quand même bien. Mais je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà pensé à lancer un business en parallèle? La personne m'a dit, ben, tu sais, Warren, je n'arrive pas à épargner de l'argent parce que je tombe beaucoup malade. Vous savez, en fait, quand la personne m'a dit cela, j'ai clairement décelé directement son problème. Le problème, c'est celui-ci. Tu ne peux pas épargner de l'argent en ayant déjà en tête le fait que tu tombes déjà beaucoup malade. C'est-à-dire, quand tu lances une activité comme ça, ou bien tu veux lancer un projet comme ça, c'est-à-dire, peu importe, quand tu épargnes 10% de tes revenus pour préparer un futur investissement, mais dans ta tête, tu es déjà en train de dire que non, mais écoute, moi je tombe souvent beaucoup malade. Mais ne t'en fais pas, puisque ton subconscient a déjà enregistré que tu tombes beaucoup malade, lorsque tu auras épargné une certaine somme d'argent, ben écoute, lorsque tu vas penser maintenant à vouloir investir cet argent-là, ce qui va arriver, c'est que, puisque au bout d'une certaine heure, ton subconscient a déjà enregistré qu'il faut que tu tombes malade, l'argent que tu auras mis de côté pour un prochain investissement va simplement aller encore dans les médicaments. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas baser une épargne pour un futur investissement en ayant déjà dans ton subconscient le fait que je tombe souvent beaucoup malade. Et comme tu tombes souvent beaucoup malade, c'est la raison pour laquelle le peu d'économie que tu prends, le peu d'économie que tu as, tu le dépenses. Ça, c'est clairement dangereux. Il faut changer ce mindset-là. Il faut que lorsque tu décides de créer une épargne, il faudrait que tu gardes à l'esprit que cette épargne-là doit servir à des investissements et tu dois enregistrer ta programmation mentale de telle sorte que le projet que je suis en train de vouloir bâtir depuis des années, là, c'est cet argent que je mets de côté là qui va servir à lancer ce projet-là. Mais tu ne peux pas et tu ne dois pas lancer un projet en ayant déjà à l'esprit l'esprit de défaite. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut clairement commencer à changer sa programmation. C'est en changeant ta programmation que tu t'ouvres les portes à de nouvelles possibilités. Alors, c'était Warren, le stratège du projet Guerrier Mental. Partage cette vidéo et surtout, bâtissons une Afrique plus forte et plus digne. À plus.